L'ordinateur portable, un outil indispensable pour les études, le travail et les loisirs. Connaissez-vous son impact environnemental? Chaque année en France, l'ordinateur se vend par millions. Avant son achat, il a déjà produit environ 80% de son impact environnemental. Pour produire un ordinateur de 2 kg, il faut extraire environ 800 kg de matières premières du sol. Ces matières premières sont acheminées vers diverses régions du globe pour servir à la conception des composants électroniques. Puis les ordinateurs sont assemblés et exportés à travers le monde, entraînant d'importantes émissions de CO2. Une fois acheté, l'ordinateur portable continue de polluer à travers sa consommation d'énergie. Un ordinateur de 200 watts utilise en moyenne 600 kWh par an, produisant ainsi 175 kg de CO2 chaque année. C'est plus qu'un réfrigérateur, qui lui consomme 500 kWh. Et ce n'est pas tout. Une fois hors d'usage, l'ordinateur continue de polluer. S'il n'est pas recyclé, il finira sa vie dans une déchetterie où il sera incinéré. Pour réduire son impact environnemental, il est recommandé de garder le même ordinateur pendant au moins 7 ans. Prolonger la durée de vie de son ordinateur, le faire recycler et acheter du matériel d'occasion sont des solutions pour éviter l'extraction de matières premières. Les raisons d'adopter de bonnes pratiques dans l'utilisation de son ordinateur sont multiples. Rendez-vous dans le guide des pratiques éco-numériques pour en savoir plus.